Donc il y a plus de 160 manifestations en France comme la nôtre se tiennent en ce moment même. Hier soir, il y avait 591 organisations qui étaient signatrices de l'appel national. Dans Lyon, il y a 25 associations et organisations syndicales qui sont rassemblées dans le collectif. Citoyens de Lyon pour la marche pour le climat, qui ont répondu à cet appel. Donc, je vais vous faire lecture de cet appel. Rassurez-vous, il n'est pas très très long. Même si vous le connaissez déjà, c'est... le projet de loi climat et résilience discuté à l'Assemblée nationale est le dernier texte du quinquennat consacré à l'environnement. En l'état, il est très loin de l'ambition requise pour répondre à l'urgence écologique et atteindre les objectifs que la France s'est fixés. De nombreuses organisations, mais aussi le Haut Conseil pour le climat, le Conseil national de la transition écologique, le Conseil économique, social et environnemental, l'ont affirmé depuis plusieurs semaines à de nombreuses reprises. Le gouvernement, après s'être renié sur de nombreux sujets et après avoir été reconnu coupable d'inaction climatique, a mis de côté ou considérablement amoindri les propositions de la Convention citoyenne pour le climat, que cette loi était censée reprendre, sans filtre, rappelez-vous. Les députés qui débattront du projet de loi en séance plénière à partir de demain, le 29 mars, doivent à présent prendre leurs responsabilités, notamment en renforçant les articles du projet de loi dans le sens d'une plus grande ambition écologique. S'agissant de la rénovation thermique des bâtiments, de la réglementation de la publicité et de l'utilisation des engrais azotés, du recours au menu végétarien dans la restauration collective, de la lutte, et là ça nous intéresse particulièrement à Sens, de l'artificialisation des sols, de la limitation des vols intérieurs en avion ou la responsabilité climat des entreprises. En renforçant les articles du projet de loi dans le sens d'une meilleure prise en compte des aspects de justice sociale, afin de rendre la transition écologique accessible à toutes et tous. Nous exigeons une vraie loi climat à la hauteur de l'urgence écologique. Ce 28 mars, veille de l'examen du projet de loi, nous nous mobilisons ensemble pour dénoncer son manque d'ambition et les manœuvres qui tentent de l'affaiblir. Exiger une vraie loi climat à la hauteur de l'urgence écologique, défendre les 150 mesures des 150 membres, alors je crois qu'il y en avait 149, excusez-moi, 149 mesures des 150 membres de la Convention citoyenne pour le climat. Pour le climat, plus de blabla, 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 les actes pour le climat. Thank you.
Je ne sais pas où ils sont passés les trains. Attendez. Non, on est ensemble, non? Ah oui, je vais aller. Allez, gros bisous alors. Thank you.
L'Agence européenne de l'environnement classe la France au premier rang des pays européens pour le niveau d'artificialisation des sols. 47 km² pour 100 000 habitants sont imperméabilisés, contre 41 km² en Allemagne et 29 km² aux Pays-Bas, ces deux pays étant pourtant plus densément peuplés que le nôtre. C'est une première place dont on se passerait bien, sachant que l'artificialisation massive des sols réduit la capacité des territoires à résister au changement climatique. Chaque année, c'est entre 50 000 et 60 000 hectares de terre qui sont retirés à la production agricole. C'est 6 fois la superficie de Paris. Or, ces terres agricoles permettent de capter le carbone, mais aussi l'eau qui recharge nos nappes phréatiques. La Fédération nationale des SAFER fait un décompte glaçant. D'ici à 2060, nous aurons perdu 1/5 du potentiel agricole français, ce qui entraîne pour notre pays une perte d'autonomie alimentaire et va aggraver le déficit européen en terres agricoles. Ce déficit, on le sait peu, est déjà fort conséquent. L'INSEE note que l'artificialisation du territoire accélère le ruissellement des eaux pluviales, accroît la vulnérabilité aux inondations, dégrade la qualité chimique et écologique des eaux. Elle ajoute que l'étalement urbain affecte la qualité de vie. Nous passons plus de temps dans les transports en commun ou dans nos véhicules. Nous consommons plus d'énergie. Nous émettons plus de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques dont nous subissons tous les conséquences sanitaires. Dernier contributeur à l'artificialisation des sols, le e-commerce. L'arrivée en France des mastodontes du secteur fait surgir des zones logistiques et des entrepôts XXL dédiés à la préparation et à l'expédition des commandes. L'économie numérique est loin d'être dématérialisée, elle n'est loin d'être écologiquement compatible, contrairement à ce que beaucoup prétendent encore. Au juste, les seules émissions de gaz à effet de serre des transporteurs prestataires d'Amazon équivalent aux émissions annuelles de 7 millions de voitures. Il faut y ajouter celle des micro-livraisons express opérées directement par Amazon. Ces livraisons 24 heures chrono génèrent aujourd'hui autant de trafic que le commerce traditionnel. Même combat, climat, justice sociale. 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 Même combat. Justice sociale, 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 même combat. Que j'avais n'est pas attribué, donc soit j'avais mal noté, mais j'ai eu des gens qui m'ont fait. Je me trouve à Lyon. T'as pas perdu le Covid? C'est pour ça que t'as perdu. C'est le Covid qui a perdu. Ça fait mal au cul. Thank you.
de tous ses adhérents, qui sont pas trop nombreux aujourd'hui quand même, trop beau, et des 14 associations que nous fédérons. Donc pourquoi on marche aujourd'hui ? C'est pour cette fameuse loi climat qui repasse à l'Assemblée nationale demain. Elle a été fortement rabotée. Donc il faut absolument alerter nos députés sur l'urgence à changer de cap et d'exiger une vraie loi climat. Donc j'évoque les 6 grandes priorités de France Nature Environnement, puisque nous sommes affiliés. Je vous les liste d'abord. Un grand plan d'éducation et de sensibilisation à l'environnement et à la nature. 2. Des mesures de protection des forêts. 3. La fin des avantages fiscaux pour le transport routier de marchandises pour inciter au report vers d'autres modes de transport. Une obligation de rénovation des bâtiments. Un objectif de baisse de la consommation de protéines animales. La création d'un délit de mise en danger de l'environnement opérationnel. Donc je vais vous citer quelques petits exemples concrets. On en rencontre sans arrêt, on les voit tous autour de nous, et on a quand même assez peu d'effets pour arrêter toute cette folie partout. Donc le grand plan d'éducation, ça va de soi, que pour c'est une évidence. Il faut réintégrer ça dans l'éducation des programmes nationaux, de l'éducation nationale, faire découvrir aux enfants la nature. Pour protéger la biodiversité, il faut tout simplement la connaître. Des mesures de protection des forêts. Soyons tous vigilants sur ce qui se passe autour de nous, avec des coupes rases de grande ampleur, des voiries forestières de plus en plus larges, pour faciliter le passage des gros engins qui vont tasser les sols. La privatisation de l'ONF, les amendements sur la forêt proposés par la Convention citoyenne, votés par les deux chambres, ont disparu. Donc c'est un scandale. Il y a urgence à défendre la forêt de feuillus, qui est le dernier rempart pour l'atténuation du changement climatique. Ça va ?
Il y a un peu de temps.